Cacracho, mes chers camarades, cacracho. Aujourd'hui, nous remontons le temps dans les années 60, en 1963, et un peu avant, dans les années 1950 et des poussières, avec deux albums. L'album 8 heures à Berlin, le dernier Edgar P. Jacobs, mais posthume, donc le dernier Black et Mortimer, et Primordial de Jeff Lemire et d'Andrea Sorrentino. On va parler à la fois d'espionnage à la James Bond et de Cosmochien ou Cosmodog, de la petite Leica et d'une aventure fantastique assez étonnante. Donc pour commencer, je vous entraîne dans l'univers de Black et Mortimer, donc du dernier album de Black et Mortimer. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le récit? Qu'est-ce qui se passe dans cet album d'espionnage qui est quand même assez réussi sur le plan du scénario, malgré quelques faiblesses, mais j'y reviendrai après. Eh ben, c'est l'histoire d'un agent double qui franchit le No Man's Land entre Berlin-Est et Berlin-Ouest et qui se fait tuer à balles nourries par des policiers de la République démocratique d'Allemagne. On est précisément en 1963. Francis Black fait ses armes dans les services secrets et donc dans un nid d'espion qu'est Berlin à cette époque-là. Parallèlement, Mortimer, ou le professeur Mortimer, part en URSS faire des fouilles archéologiques d'une soi-disant civilisation plus ancienne, une civilisation slave qui aurait disparu et qui était là bien avant les civilisations latines, mais dont on n'a aucune preuve. En arrivant là-bas, il va découvrir que tout ça est un prétexte, que l'archéologue russe qui lui a demandé de l'aide a en fait découvert 7 cercueils, et à l'intérieur de ces 7 cercueils, 7 cadavres, dont 7 visages de ces 7 cadavres ont disparu. Parallèlement, l'espion à Berlin, avant de mourir, prononce ce mot « Doppelganger ». Qu'est-ce que donc un Doppelganger? Eh bien, je vous invite à découvrir la mythologie germanique, flamande et néerlandaise, où en fait un doppelganger est un double maléfique. Je ne vous en dirai pas plus sur le plan du récit et de l'histoire, puisque vous avez compris que Black et Mortimer ont chacun une aventure parallèle et mènent l'enquête de deux bouts différents pour arriver conjointement à un moment donné dans le récit à se retrouver. Sur le plan de l'idée, du scénario, du récit, c'est vraiment très très bien, avec quand même des faiblesses scénaristiques liées à des facilités. Il n'y a qu'une chose qu'on ne comprend pas dès le début, c'est comment les services secrets britanniques laissent partir le professeur Mortimer, l'inventeur de l'espadon, qui est quand même une arme absolue, en URSS. Comment Mortimer peut partir en sachant qu'il y a eu quelques années auparavant la machination Voronoff, puisqu'on est sur un album qui s'inscrit un peu dans la lignée de l'album précédent. Donc tout ça fait qu'on a du mal à imaginer qu'il puisse partir en URSS aussi facilement, qu'il ne se fasse pas enlever par le KGB en arrivant à peine là-bas. C'est assez curieux comme idée. Et puis des facilités, des raccourcis qui arriveront un peu plus tard. En revanche, le climax final est excellent. C'est un excellent climax où on finit sur une anecdote historique, même un point d'histoire de Berlin en 1963. Voilà, donc je ne vais pas vous en révéler plus parce que ça sera à vous de le découvrir. Il y a énormément de références à la culture et à la culture d'espionnage, des romans d'espionnage, des films d'espionnage. Il y a énormément de choses liées à Alfred Hitchcock que vous allez découvrir si vous avez les refs, mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. D'un point de vue historique, c'est vraiment impressionnant. Il y a un vrai travail de recherche sur le plan de l'histoire. D'un point de vue dessin, comme je vous l'ai dit, ou je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, le travail est fait, mais je n'ai pas le souvenir d'une planche ou d'une page qui nous fait grimper au rideau. Voilà, ça peut vous donner à peu près l'idée de ce que c'est, mais le travail est quand même bien fait dans l'absolu. Est-ce que c'est un bon cru? Est-ce que c'est à lire? J'ai envie de vous dire oui, c'est à lire, surtout pour tous les amateurs de Black et Mortimer, et même au-delà, hein. Donc voilà, je vous conseille fortement à lire 8 heures à Berlin, le dernier
Black et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, enfin le père d'origine, puisque là aujourd'hui c'est José-Louis Boquet, Jean-Luc Fromental et Antoine Aubin qui sont les trois auteurs qui travaillent sur cette bande dessinée. Nous passons donc au petit bijou que j'ai lu de Jeff Lemire et Andrea Sarantino. Alors, avant de commencer de parler de l'histoire, je vais faire l'inverse. Je vais quand même parler de l'histoire. Ça raconte quoi exactement, Primordial? Eh bien, ça parle de l'histoire de la petite Leïka. Leïka, la chienne de l'espace, la chienne qui a été le premier être vivant à partir dans l'espace et qui a eu, vous l'imaginez, vous le savez ou vous ne le savez pas, un destin tragique, puisqu'elle n'est pas revenue vivante sur Terre. Là, dans ce roman, nous partons sur l'année 1957 où Leïka Canidérus, morte en orbite pour la science, a disparu. Mais seulement, c'est dans les archives du KGB. Tout le monde ignore où est passée la petite Leïka. Parallèlement, deux singes sont envoyés dans l'espace, dont j'ai plus les noms, c'est Ab ou AB. Enfin, côté américain, deux singes partent dans l'espace et les deux singes, eux aussi, disparaissent, mais sont considérés pour morts. Et dans les deux cas de figure, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique laissent tomber la conquête spatiale. Vous avez compris, nous sommes dans une uchronie. C'est-à-dire du point de départ de Leïka et de ces deux singes qui sont partis dans l'espace et qui ont été portés disparus, nous racontons une autre histoire des États-Unis, et des États-Unis et surtout du monde, et de la guerre froide. Qu'est-ce qui se passe aussi concrètement pour ce petit chien que vous voyez là et ces deux singes? Ils sont enlevés par, j'imagine, un vaisseau spatial extraterrestre. Et tout ça va être découvert dans les archives par un agent américain du MIT qui, en traitant les données, ne comprend pas les données qu'on lui a envoyées et comprend que les singes ont survécu malgré les informations que la NASA a données. Donc vous allez vivre parallèlement deux histoires. L'histoire de l'agent du MIT qui va partir en Russie pour comprendre ce qui est arrivé à Leïka et aux deux singes, et donc rencontrer la soigneuse de Leïka. Et de l'autre, vous allez comprendre ce qui arrive à Leïka et aux deux singes dans leur aventure personnelle. C'est un récit assez surprenant sur la temporalité. Il faut comprendre qu'on a affaire à une véritable histoire d'amour aussi. On pourrait résumer ça à un lacis de l'espace. Leïka a disparu, sa maîtresse essaie de la retrouver, et les décennies les séparent, et pourtant ils finissent par se retrouver à la fin. Donc, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu verser ma petite larme. Sur le point des choses qui sont assez négatives sur ce récit, pour moi, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas expliquées, excusez-moi. Et le fait qu'on ne l'explique pas, bah, c'est un problème, je pense. Donc, je suis un peu resté sur ma faim sur certains aspects de ce graphic novel, parce que c'est un graphic novel. Côté dessin, je dois vous dire, c'est Andrea Sarantino, quoi. Si vous avez vu une de mes précédentes vidéos sur Gideon Fall, vous comprendrez que moi, Andrea Sarantino, c'est devenu ma cam, quoi. Ce type-là a des idées, mais c'est hallucinant. C'est incroyable. C'est un des dessinateurs que je trouve les plus étonnants, qui me fait penser, alors, toute proportion gardée, à dans sa mise en page, dans ses splash pages, comme on pourrait le dire, à Jim Steranko. Il a quelque chose comme ça, où il est dans l'inventivité et dans des idées, mais de dingue, et il arrive à changer son style en fonction des récits. Car ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on va revenir sur les origines de chaque animal, donc évidemment des singes, et de Leïka, où on a un début de récit assez touchant concernant ces animaux et ce qui leur arrive sur Terre. Je vous fais voir un maximum de dessins parce que c'est quand même voilà, c'est un bel objet d'art personnellement, et je pense
que je vais vraiment, cette équipe, Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, j'ai pas tout aimé chez eux, hein, je vous avoue, hein, enfin, chez eux, chez Jeff Lemire, ce qui concerne Old Man Logan, j'ai pas du tout aimé, mais pour le reste, j'ai pas grand chose à dire, quoi. Voilà, je vous fais toujours voir des dessins parce que c'est fantastique. C'est de revenir un peu en arrière pour voir s'il y a des choses. Vous voyez, oh, cette planche quoi, qui est incroyable, incroyable. Voilà, donc si vous aimez les histoires touchantes sur les animaux de l'espace, si vous aimez savoir ce qui est arrivé à Leica dans une uchronie, dans une réalité parallèle, et qu'elle a eu finalement dans cet univers un destin beaucoup plus heureux, et ben je vous conseille fortement de lire Primordial, qui est vraiment une bande dessinée attachante, touchante et belle, magnifique. Voilà, malgré ces quelques défauts où j'ai pas épilogué, mais on aurait voulu plus de choses. Voilà, on reste vraiment un petit peu sur sa fin, c'est la seule chose que je critiquerais sur cet album. Sur ce, les petits copains, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais il y a un Bulder numéro 6 qui se prépare. Et ce Bulder numéro 6, il va se passer sur Mars ou sur la Terre. Enfin, peu importe, peut-être sur les deux. En tout cas, n'oubliez pas, Le Parisien, il vaut mieux l'avoir sur YouTube. Et je vous embrasse tous. Bisous.